Mesdames et messieurs, bonjour et ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition de votre émission presque semi-hebdomadaire autour du monde édition Afrique. Comme chaque mercredi, on essaie de vous présenter les grands efforts qui sont déployés par l'Égypte sur la scène africaine dans plusieurs domaines, partant par le domaine politique, passant par le domaine économique jusqu'au domaine des échanges culturels, quand même dans le domaine du tourisme. Justement, aujourd'hui, nous allons commencer cette nouvelle édition par le site britannique The Independent qui a fait la lumière sur les 12 meilleures activités touristiques au cours d'une visite en Égypte. Un rapport publié à cet égard a mis en exergue, entre des guillemets, le trait d'union que représente l'Égypte entre le nord-est de l'Afrique et le Moyen-Orient où se croisent les sites antiques uniques dans la capitale, le Caire, qui représente un hub ou un hub culturel. Les explications tout de suite. Le site britannique The Independent a fait la lumière sur les 12 meilleures activités touristiques au cours d'une visite en Égypte. Un rapport publié à cet égard a mis en exergue le trait d'union que représente l'Égypte entre le nord-est de l'Afrique et le Moyen-Orient, où se croisent les sites antiques et uniques dont la capitale, le Caire, qui représente un hub culturel. Et de préciser qu'un nombre considérable de touristes britanniques s'étaient rendus en Égypte au cours de cette dernière année, dont les stations balnéaires en mer Rouge, notamment à Sharm el-Sheikh et Hurghada, qui sont devenues des alternatives aux destinations européennes en raison de leur prix abordable et du soleil pour ceux qui le recherchent entre les mois de septembre et mai, fait savoir l'agence de presse du Moyen-Orient. Le rapport a étalé les activités dont peuvent profiter les visiteurs en Égypte, entre autres les croisières entre Luxor et Assouan, qui permettent de contempler les terrains agricoles et des sites antiques sur les rives du Nil. La visite des pyramides et du Sphinx est un des fondamentaux de tout voyage en Égypte. C'est ce qu'a indiqué le rapport, qui a ajouté que les activités culinaire offre une jouissance exceptionnelle par la connaissance de la cuisine égyptienne authentique. Une délégation des leaders religieux de confession musulmane de la République fédérale du Nigeria, conduite par Cheikh Abdullahi Balalou, est arrivée à Niamey. C'est le premier ministre, M. Ali Mahman Lamine Zine, accompagné des membres du CNSP en présence des membres de l'Association islamique du Niger qui a accueilli la délégation à l'aéroport international du Hori Hamani de Niamey. Donc, les explications tout de suite. Une délégation des leaders religieux de confession musulmane de la République fédérale du Nigeria, conduite par Cheikh Abdoulaye Bala Lou, est arrivée à Niamey. C'est le Premier ministre, M. Ali Mohamed Lamine Zeyn, accompagné des membres du CNSP et en présence des membres de l'Association islamique du Niger, qui a accueilli la délégation à l'aéroport international d'Hori Hamani de Niamey. Les deux parties ont eu des échanges au salon d'honneur de l'aéroport de Niamey. Cette délégation des oulémas du Nigeria, indique-t-on, est à Niamey après avoir rencontré en début de semaine à Abuja le président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CDAO, le Nigérien Ahmed Bola Tinubu, afin de tenter une médiation entre l'institution sous-régionale et le Niger. Rappelons que la CDAO menace d'intervenir militairement au Niger suite à la prise de pouvoir par CNSP le 26 juillet dernier, pour, selon eux, libérer le président Bazoum et rétablir l'ordre constitutionnel. En fait, la station météorologique d'Agadir, dans le sud du Maroc, a enregistré à la dernière week-end une température maximale de 50,4 Celsius, considérée comme le nouveau record national. C'est la première fois que les températures enregistrées dépassent les 50 degrés au Maroc, d'après la météorologie nationale. La station météorologique d'Agadir, dans le sud du Maroc, a enregistré le dernier week-end une température maximale de 50,4 degrés, considérée comme le nouveau record national. C'est ce qu'a indiqué la Direction générale de la météorologie.
Le précédent record remontait au 13 juillet 49,9 à Samarra, ville du Sahara occidental, selon la DCM. C'est la première fois que les températures enregistrées dépassent les 50 degrés au Maroc, d'après la météorologie nationale. Depuis le début de l'été, l'ensemble du Maroc est en proie à une série de vagues de chaleur qui ont porté la température à des niveaux records. Ce temps caniculaire est dû à la remontée d'une masse d'air sec et chaud par le sud, causant une hausse sensible des températures et dépassant la normale mensuelle de 5 à 13 degrés. En particulier, la journée du vendredi 11 et samedi 12 a expliqué la DSM dans un communiqué. La canicule est à l'origine de feux de forêt ces derniers jours dans le nord du pays, près de Tanger et plus à l'est, dans la province de Taza, selon des journalistes de l'AFP sur place. Des incendies d'ampleur limitée mais alimentés par des vents violents ont endommagé ou détruit quelques centaines d'hectares de couverts forestiers et n'ont pas fait de victimes à ce jour. Selon le service européen Copernicus, le mois juillet 2023 a largement battu le record du mois le plus chaud jamais enregistré sur Terre avec 0,33 degrés de plus que le mois qui détenait jusqu'à présent ce titre, juillet 2019. En ce qui concerne le Maroc, juillet s'est classé au quatrième rang parmi les mois de juillet les plus chauds depuis 1961. La DSM prévoit toutefois une légère baisse des températures sur le nord du pays maghrébin dans les jours à venir. Qu'est-ce que l'Égypte et les autres pays africains gagneront-ils quand ils rejoindront le BRICS? C'est une question qui circule actuellement, seulement quelques jours avant la tenue de ce sommet de BRICS en Afrique du Sud. À rappeler que l'Afrique du Sud accueillera du 22 au 24 août le sommet des BRICS et qui en a fait le centre de l'attention mondiale environ une semaine avant qu'il n'ait lieu. Justement, j'ai actuellement en ligne de la TV internationale notre ambassadeur, ex-ministre des Affaires étrangères, ex-ministre adjoint des Affaires étrangères, monsieur Hussein Haridi. Monsieur l'ambassadeur, vous êtes toujours le bienvenu et bonjour. Bonjour monsieur. Monsieur Hussein Haridi. Oui, je vous écoute. Bonjour, tout d'abord, bonjour. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Ma principale question porte sur à quel point, ou plutôt qu'est-ce que l'Égypte et les autres pays africains gagneront-ils quand ils rejoindront le BRICS selon votre point de vue? D'abord, on doit attendre la décision qui sera adoptée par le sommet du BRICS cette mois-ci sur les demandes d'adhésion de plusieurs pays, parmi lesquels figure certainement l'Égypte. Si j'ai bien compris, la présidence sud-africaine va discuter avec les membres les pays membres du BRICS, va discuter les critères sur lesquels ces demandes d'adhésion seraient étudiées. Oui. Alors, c'est tôt maintenant, à ce stade-là, de dire que les pays africains ou les pays qui ont soumis des demandes d'adhésion sont déjà membres dans le groupe de BRICS. Oui. Selon votre point de vue, votre analyse, pourquoi les pays africains se précipitent à rejoindre le BRICS? Et est-ce que vous trouvez que le BRICS est une révolution vraiment contre les bases économiques mondiales fondées par les Occidentaux à travers les institutions de Bretton Woods? Pas seulement des pays africains qui ont soumis des demandes d'adhésion, cher monsieur, mais il y a des pays asiatiques, des pays arabes tels l'Arabie saoudite. Les Émirats arabes unis quand même. Oui, alors ce n'est pas seulement les pays africains. Mais ceci dit, le motif principal, c'est certainement les sanctions, ce qui a accéléré
la volonté de plusieurs pays, disons les puissances moyennes, à adhérer à ce groupe, c'est les sanctions américaines et occidentales sur la Russie dans le contexte de la guerre en Ukraine. Mmh. Alors maintenant, ces pays-là veulent sauvegarder leur souveraineté et leur indépendance, entre guillemets, leur indépendance économique et financière, ouais, vis-à-vis le système financier international géré par les États-Unis. Car ces pays-là ne veulent pas être soumis un jour sous un régime de sanctions si rigide tel que les sanctions adoptées vis-à-vis la Russie. Ça, c'est le premier point. Ouais. Le deuxième point, c'est le BRICS comme groupe représente un groupe important qui a de l'influence sur l'agenda international. Ouais. Soit on parle de point de vue stratégique ou politique, ou de point de vue économique. Le troisième ouais, élément est le fait que maintenant, certainement, il y a une banque d'investissement au sein de ce groupe-là, auquel l'Égypte a été acceptée comme membre. Mais ces pays-là, soit les pays membres déjà dans le BRICS, ou les pays qui aspirent à joindre le BRICS, veulent travailler sur l'adoption d'une monnaie internationale qui va entre en compétition avec le dollar américain. Ouais. Certainement, ça, ce n'est pas pour demain. Mais voilà la volonté politique de ces pays-là, soit les pays membres au sein du BRICS ou les pays qui veulent devenir membres. Donc, cette idée d'avoir une autre monnaie de réserve internationale à part le dollar américain qui est utilisé par les États-Unis comme une arme économique et financière contre toutes les puissances, contre tous les pays qui ne suivent pas la stratégie américaine. Donc, nous parlons un peu plus des pays africains parce que autour du monde, cette édition est une édition consacrée à l'Afrique. Et à la lumière de ce que vous avez dit, est-ce que le lancement d'une nouvelle devise tout à fait propre au pays de BRICS et le fait que les pays africains y prennent part représente une opportunité, oui ou non, pour les pays africains afin d'alléger les pressions inflationnistes sur les économies et alléger quand même les pressions imposées sur leur devise face au dollar américain? Non, je pense qu'on doit distinguer entre l'inflation et les raisons, les causes de l'inflation et la monnaie, la devise. La devise, certainement. L'inflation, certainement, dans le contexte africain, l'inflation est due au fait comme conséquence directe de la guerre en Ukraine, soit au niveau des céréales, les prix des céréales, ouais, soit au niveau de prix de l'énergie et plus particulièrement le gaz naturel et le pétrole. Tant que cette guerre continue, tant que le prix des céréales reste si haut, ainsi que le prix du pétrole, les pays africains vont subir un taux d'inflation élevé. Mais la hausse des prix de dollars contre les devises et les monnaies des pays africains, est-ce que cela ne représente encore un autre élément qui, bien sûr, dope un peu plus l'inflation dans les économies africaines? Oui, certainement. Certainement, vous avez raison. C'est pour cela, c'est une raison de plus pourquoi les pays africains veulent
entre eux-mêmes et avec les pays membres du BRICS de remplacer le dollar comme une monnaie des échanges. Ouais. Alors, être membre dans le BRICS, c'est quelque chose de... Ça a une portée stratégique à long terme. Oui, oui. Est-ce que vous trouvez qu'à travers ce groupe des pays, le BRICS, nous sommes devant un monde multipolaire? Certainement, le monde n'est plus un monde ou un système unipolaire. C'est fini. C'est fini, certainement. Maintenant, nous sommes face à une période de transition. Et les périodes de transition sont des périodes qui comportent des opportunités, mais comportent aussi des grands défis, car les puissances occidentales ne veulent pas que d'autres puissances puissent avoir un rôle déterminant sur l'agenda international et sur les relations internationales. Ouais. Alors, nous sommes dans cette phase-là actuellement, et la guerre en Ukraine, on peut regarder la guerre en Ukraine sous cette optique-là. Oui. Monsieur l'ambassadeur, est-ce que le BRICS est-il une alternative pour les pays africains, en particulier pour les pays en développement en général, pour trouver de nouvelles sources de financement afin de répondre aux besoins de développement de leur pays et de leur peuple qui sont en fait engloutis par les énormes dettes? Oui, certainement. Comme on vient de le signaler, le BRICS a déjà établi une banque d'investissement et l'Égypte, par exemple, est devenue membre dans cette banque-là. Certainement, l'Égypte peut emprunter auprès de cette banque-là. Et certainement, c'est un autre motif principal pourquoi plusieurs pays africains veulent devenir membres dans le BRICS. Donc, ça, vraiment, sur le terrain, ça peut représenter une source très appréciée pour financer les besoins de développement des pays africains. Comme vous savez, les pays africains souffrent énormément de la dette, souffrent énormément, notamment après le Covid-19, de ce manque très sérieux dans le domaine de financement de développement. La dette extérieure des pays africains, est, comme vous venez de le signaler, est élevée. Mais on doit prendre en compte les genres de dettes. De quelles dettes on parle? Est-ce que des dettes auprès des institutions économiques, financières, internationales, ou des dettes vis-à-vis des pays donateurs, tels un ou deux pays européens penser que devenir membre dans le groupe de BRICS va solutionner le problème de la dette africaine, c'est un peu tôt de dire ça, et je ne pense pas. Ça va aider certainement les pays africains endettés de faire face à ce fardeau-là, mais ça ne représente pas une solution finale à ce grand défi que les pays africains eux-mêmes devraient chercher une solution radicale, car les pays africains ne peuvent pas rester dans ce cercle infernal de la dette extérieure, car ça va avoir un impact négatif sur leur plan de développement. Ouais. Deux questions avant de vous quitter, monsieur l'ambassadeur.
Justement, à travers le BRICS, il y aura une sorte de dopage dans les échanges commerciaux entre les pays de ce groupe économique, de ce bloc économique. Comme vous savez, au sein de l'Afrique, il y a toujours des blocs économiques et il y a toujours des tentatives d'accélérer ces échanges entre eux. Mais justement, sur le terrain, ce n'est pas les résultats escomptés. Donc, quelles sont les garanties, selon vous, qui va vraiment assurer une sorte d'échange commerciaux très efficace entre les différents pays de ce bloc BRICS? Tout dépend sur qu'est-ce qu'on peut importer et qu'est-ce qu'on peut exporter. Tout dépend et les accords qui vont être signés ou les accords signés entre les pays membres du BRICS. Et puis, l'avantage comparatif d'importer d'un pays producteur au sein de ce groupe ou d'un autre pays, ça tout dépend des prix. Et s'il y a des monopoles ou non. Tout dépend certainement, le commerce international est basé sur le principe de la compétition. Et je crois que dans ce contexte-là, on peut répondre à votre question. Oui. Ma dernière question, à la lumière de cette guerre russo-ukrainienne, cette guerre entre les Russes et les Occidentaux, et à la lumière de cette instabilité, insécurité qui frappe les pays africains, notamment l'Afrique de l'Ouest, à travers ce dernier cas de Niger, le BRICS qui va être tenu au sein de l'Afrique du Sud. Et comment vous la placez? Comment vous trouvez ce sommet dans ces conditions géostratégiques? Certainement, déjà, il y a eu un sommet l'année dernière en Chine. Mais je pense que cette fois-ci, ce sommet se tient après une rencontre ou une conférence qui s'est tenue à Arabie Saoudite le 5 et le 6 août dernier. Pour discuter des plans de paix en Ukraine. C'était une conférence qui a accompli presque 40 pays, parmi lesquels figurait la Chine. Et c'est une première qui a une importance particulière. Et les Russes, le gouvernement russe, qui n'était pas invité à participer dans cette conférence-là, a annoncé qu'ils vont discuter avec les pays membres du BRICS qui ont participé à la conférence de Jeddah sur les conclusions de cette conférence-là. Alors, je crois que ce sommet qui va se tenir en Afrique du Sud du groupe du BRICS pourrait avoir un impact positif, entre guillemets, sur la recherche d'une solution pacifique en Ukraine. Monsieur l'ambassadeur, je dois vous remercier infiniment pour de tels éclaircissements. Malheureusement, je n'ai plus de temps pour vous donner plus d'espace pour nous expliquer un peu plus de détails de ces différentes dimensions de ce sommet. Donc, merci et c'est pareillement pour vous. Merci, chers téléspectateurs, et à la prochaine.